Salut YouTube, suite à la dernière vidéo, on part cette fois-ci sur l'ouverture d'un display tempête argentée. On va ouvrir 8 boosters cette fois-ci et je pense qu'on fera un peu comme la dernière fois et ce sera donc en 4 parties. On y va! Déjà le challenge ça va être d'ouvrir la boîte sans marave les boosters. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai essayé de me spoil le moins possible sur cette extension, mais j'ai quand même vu qu'il y avait des cartes vraiment, vraiment très belles. Ok, on est parti pour les 8 premiers boosters. Les illustrations sont vraiment jolies. Celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère, mais bon, le Goupix d'Alola est quand même plutôt stylé. Premier booster. Alors par contre, je sais pas si sur cette extension, il y a une histoire de code blanc, code noir, mais si c'est le cas, je vais encore câbler. Je mets le code sur le côté. En avant. Alors, on commence avec Reliquant. Bakabou, pas mon Pokémon préféré. Brutalibré, Goupix, Soporifique, plutôt si celle-ci. Énergie combat, Draco. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu une aussi belle illustration de Draco. Vraiment pas trop mal. Au milieu de la neige. Ensuite on a Coatox, Lipoutou. Le style est quand même plutôt chelou hein, sur cette carte là, mais c'est qui a fait ça? C'est Tomokazu Komi. Je crois que ces illustrations, à chaque fois que je les vois, j'ai l'impression que c'est un peu chelou, mais tranquille. Après, ça reste de belles illustrations. Vorastery en reverse et Pierre Scellé Sylvestre en holographique. Bon, tout est une découverte là, hein, quasi donc. Plutôt pas mal, je vais les mettre de côté, je les protégerai après la vidéo. Parce que comme un teubé, j'ai oublié de ramener mes sleeves avec moi. Mais ça va bien se passer. Dès qu'on va choper une carte ultra rare, je vais m'en mordre les doigts. Mais vous inquiétez pas. Ok, booster suivant. Code blanc. Oh non, c'est parti pour le retour des codes. Un peu deg. Bon, c'est pas grave. Alors, on a Caninos. Feu Forêve. Welmer. Cornèbre. Emolga, Énergie Plante, Predastéry, Professeur Lavande, Disparaptile, Ouvrière en reverse, et Guéri-Aigle de Issui. Je vais le mettre quand même côté rare. Booster suivant! J'ai essayé de me cacher le code cette fois-ci parce que j'en ai vraiment trop marre. C'est chiant en fait. Comment je fais ça du coup? Parce que là le code je vais le voir direct. Voilà. Comme ça. Faut pas que j'oublie qu'il devait y avoir aussi des trainer galeries pour celle-ci. Donc peut-être pas passer l'avant-dernière comme à mon habitude en fait. C'était le gamin. Donc passe rouge. Grain dur. Colorior. City gris. Celle-là est choupie. Énergie électrique. Corboss. Raichu, stylé Raichu quand même. Noacier. Peter en reverse. Et Gardevoir. Elle est pas mal, j'aime bien. Souvent sur les extensions, elle ressort plutôt bien, Gardevoir. Pourtant, c'est la tête du Pokémon qui veut ça, je pense. Booster suivant. Togedemaru. Mascaïmon. Sucroquin. Vorastery. Oui, messire. Fait rire à chaque fois. Énergie. Escroco, ça me rappelle un streamer que j'aime bien. Anorith. Mystigrix. Plutôt choupi. Disparaptile. En reverse. Et. Aha! Ursa King V. Oh, elle est trop belle. Je savais pas qu'il y avait Ursa King V dans les rares. Donc là. Et j'ai pas mes sleeves en plus. Let's go. Pour célébrer tout ça, bah je vais juste la poser délicatement sur le côté et prier. Yes. Booster suivant. J'espère qu'on va en avoir d'autres comme ça en vrai. Oh, je me suis encore spoil. Quel idiot. Tic. Limonde. Togedemaru. Citigris. Colorior. Énergie. Oniglali. Gladys, Escroco, Barpo,
tout choupi, en reverse, en train de piquer un petit roupillon. Et l'ensorien en holographique. Ouais, je pense qu'il y avait une holographique que j'aurais bien aimé avoir, du coup je pense que c'est celle-ci. J'aime bien l'ensorien, mine de rien, même si c'est vrai que je suis plus un fan des premières générations, mais je trouve qu'il a un petit flow lui. Bon, je vais la mettre de côté aussi délicatement, je m'en veux des sleeves. Ça va bien se passer. Booster suivant. On commence avec Mimitos, donc on n'avait pas encore vu. Tarsal, pareil. Choupi. Spinda, ah bah dis donc, là on a pas mal de communes que j'avais pas vues. Pikachu, avec Deden derrière. Sonistrel. Energio. Predastery. Peter, à nouveau, mais cette fois-ci pas en holographie, enfin en reverse, pardon. Click, à nouveau. Oh, Lipoutou Trainer Gallery. Lissipipou. En plus, la carte est genre sombre, en mode un peu crépusculaire. Je trouve ça spécial, mais ça va bien sur la carte, en fait. Je sais pas si on voit bien, mais ça fait vraiment tomber de la nuit. Oui, plus tomber de la nuit que lever du jour, en vrai. J'ai pas mes sleeves. Et en dernier, Bruiverne, en rare. Ok, booster suivant. Et c'est parti avec Fermite, qu'on n'avait pas encore vu non plus. Meditica. Tarsal. Passe rouge. Mini Draco, trop pipou. J'en veux un à la maison, en fait. La carte de V-Star. Metang, pas mon Pokémon aussi préféré. Anorith. Fossile inconnu, j'ai l'impression qu'elle est dans toutes les extensions celle-ci. Enfin, je sais pas. Nucleos en reverse. Et Momartic. Ça va, en vrai, il y a pire comme illustration. Dernier booster de cette partie 1. Et je me spoil le code. Et oui, c'est comme ça ici. Let's go. Bon après, ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être une trainer galerie. Hein. Allez, j'y crois. Mini Draco. Lupio. On n'a pas encore vu sur cette extension. Meditica. Araqua. Pareil. Pas encore eu. Ponyta. Que je kiffe trop. Énergie. Coatox. Bon, lui, on l'a déjà vu. Professeur Lavande. Lui aussi. Metang, à nouveau. Oh, 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 le Jirachi radieux. Insane. Mais oui, en fait. Oui, oui, je veux bien. Continuons comme ça. Et j'ai pas mes sleeves. Jirachi radieux et Golé. Ok. Bah là, franchement, déjà, pour une première partie, j'ai quand même des cartes que... Bon, alors, que je ne connaissais pas, certes, mais que je trouve quand même vraiment très très belles. Faut absolument mes sleeves, je vais mourir là. Là j'ai envie de canner. Mais voilà, donc celle-ci, genre vraiment, vraiment pas mal. Le Jirachi radieux, il a vraiment un flow par contre. Je suis ravi. Bon, première partie, je suis pas déçu. On a ouvert que 8 boosters. Et je pense qu'on va se faire la partie 2 très bientôt en fait. Parce que je suis vraiment curieux de tout ce qu'il y a dans cette extension. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aimez ce genre de contenu. Et pensez à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.